Bonjour, je m'appelle Jimmy Poirier et je veux vous parler du deuxième tome de ma série Nico le Terrible. Dans le premier tome, que voici, le jeune Nico s'était transformé en fantôme et avec son chien, lui aussi fantôme, il s'est fait pourchasser dans toute la ville par deux méchants spectres, Monsieur Sans Chagrin et Monsieur Sans Regret. Dans le tome 2, Nico se retrouve maintenant piégé dans l'immense Bêtisium. Le Bêtisium, c'est une prison pour jeunes fantômes qui ont commis trop de bêtises durant leur vie. Et c'est le cas de notre ami Nico, qui est un grand joueur de tour, peut-être même le plus grand de tous les temps. Notre jeune héros va tenter de s'évader de la prison, et surtout, il va tout faire pour libérer son chien. Mais comme la prison est un lieu étrange rempli d'embûches, ce ne sera pas de tout repos. Heureusement, Nico, il va rencontrer des alliés inattendus qui vont l'aider au cours de sa quête. Ce deuxième livre-là, que j'ai appelé À la rescousse du prisonnier fantôme, est illustré par les superbes dessins de Jean Morin. Bonne lecture!